Le titre humour consulting peut parfois porter à confusion. Vous êtes une entreprise extrêmement sérieuse, extrêmement avertie sur les enjeux de l'entreprise et avec une grande capacité de le restituer. Donc l'humour est la force de Serge, mais le consulting est la force de votre société. Et ça, vous le menez à merveille. Il faut le faire savoir plus, parce que je pense que certaines personnes peuvent parfois se dire, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? Et je peux vous dire que toutes les entreprises ont forcément besoin d'amener un petit peu d'humour dans leur mode de fonctionnement. C'est difficile au quotidien, on est tous pris par la pression, la vitesse, les tensions. Et vous nous aidez grandement à chaque fois que vous venez discuter un petit peu avec nous, nous regarder, nous donner cet effet miroir pour parler de nous-mêmes. Et avec vous, vous avez la distance pour le faire. Et c'est ça qui vous permet de le faire avec beaucoup d'humour. Et je peux vous dire que l'exercice est accueilli unanimement par tous les collaborateurs, donc là-dessus. Mais aucun doute, si vous, chef d'entreprise, parfois vous avez un doute, vos collaborateurs, eux, sauront apprécier la démarche et rire entre eux et rire avec vous de ce que Serge peut amener sur scène. La grande force de Serge, c'est la manière dont il amène les sujets sur scène, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr du rire pour pouvoir parler de tout, mais il faut beaucoup de bienveillance. Et l'expérience qu'a Serge dans le monde professionnel, doublé de ses capacités d'humour et la bienveillance qu'il amène sur tous les sujets, en particulier les sujets difficiles, fait une grande différence. Donc c'est un caractère à part. Il a beaucoup de liberté dans ce qu'il dit. Il faut accepter de jouer le jeu. On peut parfois se retrouver sur le grill face à tous ses collaborateurs dans ce que Serge va dire. Et il n'épargnera pas non plus les collaborateurs parfois dans certaines situations. Mais il le fait avec beaucoup de bienveillance. Ce qui fait qu'on est tous capables de rire de nous-mêmes, de rire de nous-mêmes avec les autres. Et ça, c'est vraiment une très très grande force qu'a Serge dans ce qu'il nous amène quand il vient dans notre organisation.